C'est d'abord une émotion parce que l'étoffe nous saisit, elle nous dit quelque chose. C'est comme une rencontre en fait. Quand on sait de quel travail, de quel soin elle est investie et de quelle région du monde elle vient, alors effectivement ça donne à l'étoffe encore plus de sens. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions à chaque fois. Des châles pour se couvrir pendant les nuits d'été. Des plaids qui vous enveloppent quand arrive l'automne ou des couvertures pour se tenir chaud l'hiver. Entre ses mains, Jean-Louis Brun tient le résultat de 210 ans d'expérience. Il est le dernier maillon d'une dynastie de manufacturiers de laine qui a débuté sous le règne de Napoléon Ier, ici à Lille-sur-la-Sorgue, à 30 km d'Avignon. Pierre, le patriarche, c'est ce que sa famille doit à la région et à sa météo si particulière qui fait gonfler les cours d'eau aux intersaisons. À l'Île-sur-Sorgue, il y a quelque chose de particulier, c'est la Sorgue. C'est la rivière. De par son débit, elle est susceptible d'entraîner des machines à travers des moulins. Donc à l'Île-sur-Sorgue, nous aurons au XVIIe, au XVIIIe siècle, plus de 60 moulins qui vont actionner de petites entreprises, généralement textiles, dans la laine et dans la soie. Pour célébrer leurs deux siècles d'existence, Pierre et Jean-Louis ont fait bâtir un musée qui raconte l'histoire de leur manufacture. Une histoire où la recherche de l'excellence de la matière est un credo répété à l'envi. À l'instar de la laine du mouton mérinos d'Arles antique, la plus frisée du monde. Et... Pierre a mis des années à le retrouver. Il ne restait qu'un éleveur. 7 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup. Il n'y a qu'une tonte par an. Il faut faire beaucoup d'analyses, il faut observer, il faut se poser beaucoup de questions. Ben, tout ça, ça valait la peine de persister. Alors on a persisté, on a insisté, on a passé beaucoup de temps, c'est vrai. Peu de gens y croyaient. Quand je leur disais il faut trouver celui qui a pu garder la race antique, on me disait c'est infaisable. Alors quand on me dit c'est infaisable, ça m'excite et on continue. Les moutons sont tondus à la sortie de l'hiver pour leur permettre de passer confortablement la saison chaude. Mais Jean-Louis va encore plus loin que son père dans cette quête de la laine d'exception. L'entrepôt de la famille Brun est à lui seul une invitation au voyage. Ici, ça vient des 5 continents. Alors ici, vous avez des laines d'Australie, et puis on a de l'alpaga, du Pérou, du lama de Bolivie, du cachemire du Kazakhstan, de Mongolie, de Chine, d'Afghanistan. Une balle de laine comme ça peut se conserver pendant des décennies, et sa qualité est parfaitement intacte. La première chose que l'on fait, c'est qu'on déguste avec les doigts. Alors, avec les yeux également, on examine la longueur de la fibre, on touche sa douceur, on sent son toucher, on sent si c'est un toucher sincère. Dans ses mains, un produit unique au monde. Du poil de bébé chameau venu du désert de Gobi au cœur de la Mongolie. Jean-Louis l'a découvert l'année dernière lors d'un voyage épique. Le climat continental est extrême avec des hivers à moins 30 degrés et des étés courts mais très chauds. C'est à cette période qu'on récolte le poil des chameaux. Ça, c'est le produit d'un partenariat avec des éleveurs au fin fond du désert de Gobi et avec une ONG qui lutte contre la désertification. Alors les bébés chameaux, on tire simplement les poils qui viennent tout seuls parce qu'ils sont en train de muer. Les laines sont ensuite aérées, lavées, tissées. Certaines des machines de la manufacture ont connu jusqu'à 10 générations d'ouvriers textiles. Avec seulement 11 ans d'ancienneté, Bruno fait figure de nouveau devant ces vénérables vieilles dames. Ah, c'est des vieilles mémères, enfin, c'est des mémères d'abord qui marchent bien, qu'on entretient, et puis les mémères n'ont pas tellement évolué avec le temps. Mais il est fort possible qu'elle ait 60 centenaires, ça c'est sûr. Mais une belle centenaire. Pour arriver à faire une couverture, ça va passer facilement dans les mains d'une dizaine à une quinzaine de personnes. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, du personnel, de l'application, et puis voilà, c'est surtout pour ça. Pour arriver à faire une couverture, il faut compter 2 semaines de travail. Au regard de l'histoire de l'entreprise, Sylvie est une adolescente. Elle travaille sur les finitions. Je suis née ici, je travaille ici. Cette année, ça fera 24 ans. Mais quand vous arrivez là, ben, ma foi, vous prenez, on va dire, au jeu. Et puis le travail que vous avez, ben, c'est super. Au début, quand je suis rentrée, il y avait essentiellement de la laine vraiment d'Arles. Après, on a eu le chameau qui est arrivé.
Après, on a eu le yak. Là, le dernier que nous avons, c'est du tourfan, donc c'est une laine soie. Toutes les matières sont belles. Mais c'est vrai que le jour où je partirai, c'est certain que tout ça, ça va me manquer. Puis il n'y a pas que ça qui va me manquer. Pour s'adapter aux changements au fil des siècles, la dernière manufacture de laine de France s'est mise à faire des collections. On n'habille plus son canapé ou son lit de la même manière quand il fait chaud ou quand il fait froid. Il y a des saisons pour ce genre de produits, comme les vêtements. Il y a des pulls pour l'hiver, il y a des chemises légères pour l'été. Donc ces étoffes, effectivement, sont très saisonnières. Alors, par leur poids, par leur épaisseur et leur chaleur, et puis par les coloris et les motifs. Vous avez des coloris et des motifs qui font très estival ou printanier. On est sur de la laine et du lin pour le printemps et l'été 2019. Sachant quand même que le plaid, il y a une saison que nous aimons bien, nous, c'est la saison des cadeaux. Des laines d'exception, ce sont aussi des prix d'exception. Plaids et écharpes flirtent souvent avec les 300 euros et certaines couvertures s'envolent à près de 3000 euros. Depuis 1808, Pierre et Jean-Louis ont appris que le temps était un allié. Leurs produits sont censés durer toute une vie.